In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, et petuono quod Filio. Tui amoris ineis inima accende. Emite Spiritum Tuum et crea bontur. Oremus Deus equicora Filium Sancti Spiritus illustratione loquisti. La nobe Signore Spirito lecta sapere, Dio sempre con stazione godere, per chi sono dame il nostro nome. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange gardien, veillez sur nous. Mon Saint patron, intercédez. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la suite logique est tout à fait nécessaire, c'est qu'on va maintenant concrètement, on a choisi de suivre Jésus et on va l'étudier. Comment le suivre? Donc, c'est facile, parce qu'il y a les évangiles et dans les saints évangiles, on voit ce qu'il fait, ce qu'il dit. Alors, c'est la... La méditation suivante, c'est on va le suivre dès le début. Donc 101, l'incarnation. Elle renferme l'oraison préparatoire, trois préludes, trois points et un colloque. Alors, évidemment, l'oraison préparatoire ordinaire, numéro 46. Donc, que tout soit dirigé à la gloire de Dieu et au salut de l'âme. Premier prélude consiste à se rappeler l'histoire, donc véridique, réelle, factice, du mystère que l'on doit contempler. Un mystère, c'est quelque chose qui nous a été révélé et qu'après la révélation, reste encore partiellement incompris. Parce qu'il s'agit de quelque chose d'infini. Donc l'incarnation, c'est en même temps visible, parce qu'on voit que la Sainte Vierge est enceinte, Joseph a le remarqué, mais ce qui est invisible, c'est que cette personne est divine. On ne peut pas le voir, c'est par révélation qu'on le sait. Donc l'histoire du mystère que l'on doit contempler ici, je me rappellerai comment les trois personnes divines, contemplant la surface de la terre couverte d'hommes après la chute d'Adam et Ève, voyant que tous se précipitent en enfer. Ils ne sont pas dans l'enfer, mais ils sont sur terre, donc ils se passent dans l'enfer. Mais ils vont vers la direction enfer. Pourquoi? Parce qu'ils commettent les péchés mortels. Décrète dans leur éternité, que la seconde personne de l'Auguste Trinité, Dieu le Fils, se fasse homme dans le temps, donc de toute éternité, puisqu'en Dieu il n'y a pas de changement. Il ne peut pas décider quelque chose qu'il n'a jamais décidé. C'est de toute l'éternité, ils ont décidé que la deuxième personne s'incarne dans le temps. Ça, le bon Dieu est, Dieu est incompréhensible pour nous, puisqu'il est infini, mais quand même, on sait des choses. Se fasse homme pour sauver le genre humain. C'est dans le credo. Puis propter pour nostram salutem des chaînes et des pour notre salut est descendu des cieux. Et comment ce mystère s'accomplit concrètement? D'une manière magnifique. Il va vraiment être fils d'une personne humaine. Il va être vraiment homme. Sa mère est homme, enfin, à la nature humaine. Lorsque dans la plénitude des temps, ça veut dire que les temps sont prêts à le recevoir, parce qu'il faut bien qu'il soit bien reçu, sinon le bon Dieu n'aime pas que la grâce
qui est payé par le sang de son fils, la vie de son fils, la passion pénible, soit gaspillé. Donc il attend des temps propices, c'est ça la plénitude des temps. L'archange Gabriel, donc le plus noble des archanges, puisque c'est la plus noble des missions, Michel, c'est le chef de la milice céleste, mais saint, l'archange Gabriel, c'est le plus noble, fut envoyé à Marie. Marie, c'est un être très spécial. C'est un homme comme nous, pur homme, pure nature humaine, mais elle est destinée à devenir mère de Dieu, d'une personne divine avec nature humaine. Donc, elle va donner la nature humaine à une personne, mais cette personne n'est pas une personne humaine, c'est une personne divine. C'est pour ça qu'elle est mère de Dieu. Mais cette personne humaine est une personne divine. Enfin, cette personne qui est dans cet humain est divin, est divine. Envoyé à Marie. Donc on voit, il sait beaucoup, n'est-ce pas? Un peu de texte, c'est énorme comme information. Énorme. Le second prélude est la composition de lieu pour occuper l'imagination, hein, qu'elle s'en va pas dans tous les sens. Ici, je me présente le plus concrètement possible avec mes yeux, mes oreilles, mon odorat, tout, mon toucher, si vous voulez, avec l'imagination, bien sûr. Je suis là. J'ai l'occasion de contempler ce qui se passe. Je représenterai l'immense étendue de la terre. Pour nous, c'est plus facile de faire cette imagination que dans le Moyen-Âge, hein, ou dans le XVIe siècle, ou Saint Ignace, là, parce que nous avons des satellites, nous avons des photos et des films d'en haut. Nous connaissons la surface de la Terre plus ou moins. Nous avons des photos précises de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, etc. Nous avons des commentaires. Sans avoir voyagé dans le monde entier, nous savons plus ou moins comment il se présente. Nous avons plus de facilité pour faire cette contemplation qu'il y a un siècle ou les autres siècles. C'est l'avantage que nous avons avec des techniques modernes, quand même. L'immense étendue de la Terre. Bien sûr, la Terre fait 45 000 km de... Comment dire, de... Circonférence. De circonférence, c'est ça. Circonférence. Plus que 40 000. Ça vaut la peine. Hein? Peuplée de tant de nations diverses. De peuples, de races, de nations diverses. Et chaque nation, dit saint Thomas, a son génie, mais aussi ses points faibles. Mais ce sont des païens, n'est-ce pas? Ce sont des enfants d'Adam et Ève, des pauvres pécheurs. Puis je considérerai en particulier quel contraste la maison et la chambre de Notre-Dame dans la ville de Nazareth en Galilée. Très simple, mais une sainteté extraordinaire. L'Immaculée Conception. Marie. Vivre avec Marie, c'est incroyable. C'est une femme normale, tout simple, mais c'est... Voir comment elle vit, comment elle est là. Elle fait le ménage normal, comme toute autre femme. Son mérite, c'est qu'elle a fait avec le plus d'amour de Dieu. Les pères d'Église disent que Marie mérite plus en faisant une couture que Saint Laurent sur la grille quand était grillé, vivant, dans son martyr. C'est un grand saint, Saint Laurent, hein? C'est pas n'importe qui, c'est un grand saint. Une âme fervente, courageuse, héroïque, etc. Mais la Sainte Vierge, elle méritait plus en faisant que parce qu'elle avait plus d'amour de Dieu. C'est l'amour qui compte. C'est dans 1 Corinthiens 13, l'amour qui compte. La Sainte Vierge, n'est-ce pas, elle a une vie normale, tout à fait quotidienne, très spéciale, mais
Quel mérite? La plus grande sainteté qui a jamais existé après Jésus-Christ lui-même. Quel contraste avec tous ces gens qui pêchent. La troisième prélude est la demande de la grâce particulière. Dans la contemplation présente, je demanderai, bien sûr, la connaissance intime de Jésus. Intime, le plus intimement possible. Je vais aller dans son âme. Imiter son corps, c'est trop facile, c'est peut-être grotesque. On ne va pas mettre des sandales, etc. et s'habiller comme des Hébreux. Hein. C'est pas ça. On ne va pas vivre comme eux, aller chercher l'eau au puits. C'est pas ça. On ne va pas imiter le corps, mais le cœur, l'âme. La connaissance intime de Jésus qui s'est fait homme pour moi, pour tout le monde, mais aussi pour moi. Maintenant, je vais l'appliquer à moi-même. Et il dit à dessein, si j'aurais l'occasion, si c'était comme ça, si c'était nécessaire, j'aurais incarné et subi la passion pour une seule âme, pour moi. Il était prêt à le faire. Donc on peut très en vérité l'appliquer à soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour propre du saint, demandé, exigé par Dieu. Soyez saints, allez au ciel. Donc soyez heureux. Dieu nous commande d'être heureux, quel père. Hein? Qui s'est fait homme pour moi, pour tout le monde, tout homme de bonne volonté, mais pour moi. Afin connaître l'intelligence pour l'aimer, cœur, volonté, avec plus d'ardeur et le suivre. Soit la portée des fruits, avec plus de fidélité. Vous voyez? Intelligence, volonté, action. C'est comme ça qu'on va imiter Jésus. Mais pour l'imiter, il faut le connaître et porter dans son cœur, l'imiter, le demander aussi ses grâces, avec, par, pour et en lui, agir. Ensuite, donc il dit dans le numéro 105, ça va être de suite, la main stramine, la main structure dans les contemplations suivantes. Dans le premier point, 106, je verrai successivement les personnes, ensuite leurs paroles, ensuite leurs actions. 106, 107, 108. Les personnes, 106. Premièrement, les hommes. Deuxièmement, les trois personnes de la Trinité. Troisièmement, Notre-Dame et l'Archange. Premièrement, les hommes qui sont sur la terre, si divers de coutumes et de visage. Nous, on a la facilité de s'imaginer à cause de tous les moyens de communication. Quelqu'un du Moyen-Âge avait du mal, il n'a peut-être jamais voyagé, il ne savait pas comment on se comporte en Inde, en Afrique, en Amérique. L'Amérique n'est pas encore découverte. Alors, donc on a plus de facilité à s'imaginer cela. Si divers de coutumes du visage, les uns blancs, les autres noirs, les autres jaunes, les autres bruns, etc. Les uns en paix, les autres en guerre, les uns pleurant, les autres riant, les uns sains, en bonne santé, les autres malades, les uns naissant, les autres mourant, tout ce qui est possible. Les uns s'adonnent au commerce, les autres à l'agriculture, l'autre vont paître des troupeaux, l'autre vont faire n'importe quoi. Donc, ils s'occupent de la musique ou de la peinture ou de ce quoi. Toutes les occupations, les riches ils s'occupent avec leurs affaires, la chasse, les guerres, la politique, etc. Les hommes de religion, ils s'occupent avec leur religion, mais c'est des religions idolâtres. Comment on voit comment les Mayas ont fait, c'est horrible. Hein. On voit dans le film Apocalypto de Mel Gibson, hein. Couper les têtes, et arracher les cœurs et puis offrir aux dieux.
Ils ont fait ça avec des centaines de milliers de personnes. Donc, l'office de prêtre, c'était pas toujours glorieux. Hein. Dans les fausses religions, c'était horrible. Enfin, plus ou moins, hein, il y a quand même eu aussi des religions qui étaient moins violentes, mais partout, il y avait presque le sacrifice, pas sous, presque tout dans toutes les religions, il y avait le sacrifice humain. Même dans nos contrées ici, les druides, il y avait des sacrifices humains. Hein. Voilà. Secondement, je verrai autre, quel contraste. Je considérais les trois personnes de la Sainte Trinité, assis sur le trône royal de la Divine Majesté. Comme elles regardent tout cet univers, ils savent tout, tout de tous. Les nations plongées dans un aveuglement profond, comme elles voient les hommes mourir et descendre en enfer. Il y en a peu qui se sauvent par le baptême des désirs, par un acte d'amour de Dieu, par une contrition parfaite. Qu'est-ce qui se sauve? Je n'en sais rien. Hein. Apparemment, il y en a beaucoup qui se font dans le péché mortel. Objectivement, je ne vais pas juger leur conscience, mais objectivement, et Dieu le sait, la Sainte Trinité le sait. Nous ne le savons pas, mais la Sainte Trinité le sait. Troisièmement, je verrai Notre-Dame et l'ange qui la salue. Donc, le ciel qui visite la terre. L'archange, le représentant de Dieu, qui visite l'être la plus noble que la terre jamais produite. Afin de tirer de l'utilité de cette considération pour mon âme. Parce que au moment que l'ange visite la Sainte Vierge, par son oui, elle accepte de devenir mère de Dieu, il y a la deuxième personne de la Sainte Trinité qui devient homme dans son sein. Donc Dieu crée une âme, c'est le Jésus-Christ, il a uni à une ovule de la Sainte Vierge à laquelle il ajoute par création, il a conçu le Saint-Esprit par création. Le Saint-Esprit, c'est donc la troisième personne à qui est attribuée toutes les œuvres de charité et de miséricorde. L'incarnation est une œuvre de miséricorde, donc c'est attribué à la Sainte, au Saint-Esprit, quoique c'est fait par les trois personnes. Tout ce que fait Dieu à l'extérieur de soi-même, c'est fait par les trois personnes en même temps. Donc Dieu crée, ajoute par création, par sa toute-puissance, à ce qui manque à une ovule de la Sainte Vierge pour en faire un garçon. Et de cet embryon, Dieu crée l'âme de Jésus-Christ. Et du coup, voilà, la deuxième personne s'est incarnée dans le sein de la Sainte Vierge. On va demeurer 9 mois. C'est ça le plus grand mystère qui arrive. On l'appelle l'annonciation. Mais l'annonciation, c'est ce qui est d'extérieur, du sensible. Ce qui est vraiment arrive vraiment, c'est l'incarnation. L'incarnation. La visitation, pardon, l'annonciation, ce n'est que les circonstances de l'incarnation. Dans le second point, j'écouterai les paroles. Premièrement, des hommes qui sont sur la terre, blablabla. Comme ils parlent les uns avec les autres, comme ils jurent, ils blasphèment, etc., etc. Tout ce que les hommes parlent entre eux. Secondement, des personnes divines qui disent opérons la rédemption du genre humain. La miséricorde de Dieu qui s'exerce, qui est décidée. Quel bonheur! Dieu décide de faire cette œuvre de miséricorde de la rédemption. Troisièmement, l'ange parle à Marie et Marie répond. Marie ne met pas en doute, comme Zacharie, la parole de l'ange, parce qu'il a directement compris que c'est Dieu qui parle. C'est l'ange de Dieu, il a compris, sans aucun doute. Mais elle demande, comment faire, puisque j'ai fait le vœu de virginité?
comment enfanter, comment devenir mère du Sauveur, du Messie, puisque je veux. La virginité, c'est pas seulement physique, hein, c'est tout un état d'esprit. C'est de les choses qui sont permises, comme le mariage, qui est seulement quelque chose de bien, puisque tout ce que Dieu fait, c'est bien. Et Dieu a créé l'homme et la femme, surtout la femme mariée. Il a créé, il a obligé finalement Adam et Ève de se marier. Donc, il ne sait pas bien pour l'homme qu'il soit tout seul. Donc c'est pas bien de ne pas se marier. Mais après la chute, c'est autre chose. C'est bien de ne pas rester marié parce que pour réparer, pour faire pénitence. Ça veut dire que le bien du mariage, qui n'est pas obligatoire absolument, qu'on s'abstient des choses permises par amour de Dieu. C'est un plus grand amour. Donc l'esprit de virginité, c'est un plus. Faut comprendre, c'est pas une question de pudeur exagérée, de faut pas toucher mon corps. C'est pas ça, c'est pas l'homophobie, enfin la phobie pour les hommes. Hein. C'est pas quelque chose de négatif. C'est tout à fait positif. C'est un excès d'amour de Dieu. Qu'on aime tellement Dieu qu'on veut lui donner tout et même qu'on s'abstient des choses permises pour mieux s'occuper avec Dieu, pour plus prier, plus contempler, plus faire des bonnes œuvres, etc. C'est ça l'esprit de virginité. Et la Sainte Vierge avait ça de manière excellente. Et alors, comment faire pour garder quand même cette perfection de virginité quand je dis une mère de Dieu? Donc elle veut tout finalement. Elle est pas gourmande, mais elle a compris que elle a peut-être intuité pour Dieu tout est possible. Alors Dieu fait l'impossible. Il va la faire mère de Dieu et en même temps garder sa virginité. Incroyable. Même physique. La naissance, elle est vierge avant, pendant et après la naissance. Donc Jésus va sortir de son corps comme il sort avec son corps glorieux. Il traverse les murs du Cénacle quand il apparaît après sa résurrection. Vous direz, oui, mais après sa résurrection, il a un corps glorieux et avant, il avait avant aussi un corps glorieux. Jésus était dans la gloire quand il est né, hein, puisqu'il est, il voit Dieu. Il a toujours été dans la gloire. Donc il avait déjà un corps glorieux. Dieu a créé un corps glorieux, Jésus. Mais il a retenu sa gloire, il ne l'a pas montré pour ne pas effrayer les gens. Il voulait être homme normal pour donner l'exemple d'une vie normale. Voilà. Donc ce dialogue entre l'ange et la Sainte Vierge est magnifique. Hein. C'est un combat dans la Sainte Vierge entre son humilité qui veut rester, qui refuse cette dignité, entre sa virginité qui veut garder sa virginité et son obéissance. Alors c'est l'obéissance qui l'emporte. C'est juste de dire, hein, de dire. Je ne veux pas des sacrifices, je veux l'obéissance. Faites le sacrifice quand je demande et ne faites pas quand je ne demande pas. Faites ce que je demande. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qui nous sauve. Pas « I did it my way », mais « I did it your way ». Par l'esprit du monde, je l'ai fait à ma façon, on le fait à la façon de Dieu, justement. En tout chercher la volonté de Dieu, parce que faire la volonté de Dieu, c'est s'unir à sa volonté, donc à lui. Et l'union exprime l'amour. Et voilà, l'union sur terre, c'est déjà un prélude de l'union dans le ciel. Et c'est une union d'esprit, donc d'intelligence, de moment et de volonté. De penser la même chose, croyez-moi. De faire la même chose, obéissez-moi. Et d'espérer la même chose, accepter mes promesses. Voilà. Donc l'obéissance l'emporte, mais Dieu sauve tout. Il la garde dans la plus profonde humilité et il respecte sa virginité. Donc quel discours, quel beau discours entre ces deux personnages, ces deux êtres saints, un saint ange, le plus saint des anges,
qui a des relations avec la terre, c'est les archanges. Les archanges, les anges ont des relations avec la terre, les autres pas. Donc les chérubins, les séraphins, les trônes, les puissances, les vertus, etc. Donc ils restent dans le ciel. Mais il y a deux cœurs qui s'occupent de la terre et de l'univers. C'est les archanges et les anges. Dans le troisième point, je considérais les actions. Le même tableau historique, mais on va se concentrer sur... Donc, Saint Ignace veut qu'on entre dans l'histoire, qu'on est là. Parce que notre intelligence fonctionne par les sens. Donc, il faut s'imaginer qu'on est là comme si on était vraiment là. Et alors, ça entre plus, ça frappe plus la mémoire, l'intelligence, le cœur et tout. Alors, on va mieux comprendre Jésus et Dieu. On va plus l'aimer. Voilà. C'est ça. Donc, maintenant, on va refaire tout, mais avec les actions. Considérez les hommes qui sont de la terre, ils s'attaquent, ils s'entretuent, ils tombent dans les enfers. Quel bazar, le chaos, le monde chaotique après le péché originel. Secondement, les trois personnes divines qui opèrent la très sainte incarnation. Leur action, c'est l'incarnation. En vue de la rédemption de la passion de Jésus-Christ. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour être torturé, martyrisé, massacré, molesté. Quel amour! Le Fils qui dit « Mon Père, je vais pour faire votre volonté. » Et c'est ce qu'il va faire. Il sait d'avance le prix. Troisièmement, de l'ange et de Notre-Dame, qui s'acquitte de l'ambassade céleste, Marie s'humilie et rend grâce à la Divine Majesté. Ensuite, je réfléchirai pour tirer quelque utilité de chacun de ces circonstances. Enfin, je ferai le colloque en pensant à ce que je dois dire aux trois personnes divines. Je pense qu'il faut les remercier. Hein. Au Verbe éternel, encore plus parce que c'est lui qui va faire le travail. À la mère du Verbe et Notre-Dame, qui se prête et qui va souffrir autant que Jésus dans son cœur. Un glaive transperce à ton cœur. Et selon le sentiment que j'éprouverai en moi-même, je demanderai tout ce qui me peut m'aider à suivre de plus près et à imiter plus fidèlement notre Seigneur. Donc, imitation de Jésus-Christ se fait seulement par la compréhension de Jésus-Christ, et pas seulement de l'intelligence, mais de cœur, qu'on comprend Jésus par le cœur. Le cœur a des raisons que la raison n'a pas. On a trouvé, même scientifiquement, que dans le cœur, 60% des cellules sont semblables à celui du cerveau. Donc on peut comprendre par le cœur. Par le cerveau, bien sûr, mais aussi par le cœur. Et l'avantage du cœur, c'est qu'il tient beaucoup plus compte des circonstances particulières. Le cœur est dans le concret. L'intelligence, plus dans l'abstrait, le général, le principe, etc. Mais le cœur est beaucoup plus en concret. Donc, il faut être dans le concret ici pour comprendre ce qui se passe. Donc, avec le cœur. Voilà. Ensuite, voilà, donc, on a encore, je pense. C'est moins 10 ? 10 minutes ? D'accord. Eh bien, en même temps, dans les 5 jours, on fait en même temps, ça fait 1, c'est la nativité. C'est la seconde contemplation au numéro 110. Parce que la nativité, c'est la manifestation de l'incarnation. Ça veut dire l'incarnation devient manifeste. Donc, ça fait un tout. Donc c'est la même chose, voir l'histoire. Les mystères sont, ils renvoient à numéro 262, page 386, et ici c'est 264, page 387. Hein? Donc c'est marqué ici dans le numéro 111. C'est l'abrégé de l'histoire qui est dans l'Écriture sainte. Hein?
Donc on se rappellera dans la contemplation présente comment Notre-Dame, dans le 9e mois de sa grossesse, donc l'incarnation se fait le 25 mars, la fête liturgique se fait le 25 mars, et 9 mois plus tard, c'est le 25 décembre, tout simplement. Partie de Nazareth, où elle habite avec Saint-Joseph, son fiancé, mais les fiançailles valaient pour les Juifs le mariage. Les fiançailles, c'était finalement le contrat, et le mariage, c'était plutôt la fête. Mais c'est fait un tout. Les fiançailles, c'était déjà le mariage. C'est différent que chez nous. Hein. Donc, elle était fiancée à Joseph, mais elle était mariée, ça veut dire. C'est déjà une promesse sans retour. Donc, avec Joseph, assis, comme on peut pieusement le méditer, sur une ânesse. Donc, Saint-Joseph était un charpentier, on l'appelle le charpentier dans l'Écriture sainte. Ça veut dire qu'il était vraiment doué, le charpentier. Pas un, mais le. Donc, il avait quand même, enfin, il était pas riche, mais il avait quand même ce qu'il fallait, donc il avait une ânesse pour mais porter une femme enceinte. Faire des super combien, centaines de kilomètres ou 550, je ne sais pas combien, c'est quand même loin. Hein. C'est traverser, on est dans un département, la Galilée, on traverse un autre département, la Samarie, et on entre dans un autre département, la Judée. Donc c'est traverser quand même un département et deux demi-départements, c'est quand même pas rien. C'est peut-être 200 kilomètres à peu près. C'est pas facile pour une femme enceinte. À l'époque, c'est pas de TGV. Hein. C'était à pied ou par la narne, avec des routes qui étaient assez sauvages. Accompagnée de Saint-Joseph, et la tradition dit, une servante qui mène un bœuf, il va avoir besoin du bœuf pour payer des choses, des frais. Et le bœuf sera là, ça explique qu'il y a un bœuf. Parce que c'était une crèche dans une étable de moutons. Il y avait des bergers avec les moutons. Alors, qu'est-ce que fait le bœuf, là, tout d'un coup, alors? Mais il y a une tradition qui dit que c'est à Joseph qui l'a amené. Pour ne pas laisser tout seul, là, non plus. Il y avait des voleurs, etc. Il fallait nourrir aussi le bœuf. Qu'est-ce qu'il va s'en occuper? Parce que tout le monde devait partir dans son village où il était d'origine. Donc, tout le monde partait dans tous les sens. Et eux devaient aller à Bethléem parce qu'ils étaient des descendants de David. Et David, et Bethléem, c'est la ville de David. Ils étaient de descendance royale, tous les deux. Ils vont à Bethléem payer le tribut imposé par César. Donc, ils étaient occupés par les Romains. Donc, l'empereur à Rome a décidé de faire le compte de tous ces sujets et de demander des impôts à tous les habitants de cette province. Voilà. Le second prélude est la composition de lieux. Je verrai les yeux de l'imagination le chemin de Nazareth à Bethléem, considérant sa longueur, sa largeur, le plus concrètement possible. Vous êtes là à côté d'eux, vous êtes la servante, quoi. Façon de parler. Vous êtes la servante. Hein? Est-il uni, traversé des vallées, est-il sur des collines? Je considérerai de même la grotte où naît le Sauveur. C'est une étable en bois aménagée dans une grotte pour des moutons qui sont dans l'emparage. Est-elle grande ou petite? Est-elle haute ou basse? Comment est-elle préparée? C'est la seule chose qu'ils trouvent. Tout le reste était plein. L'hôtellerie, les hôtels, les auberges, étaient pleins. Ils n'avaient pas assez d'argent pour... Il n'y avait pas de place pour eux. Alors, vous imaginez quand même la détresse de Saint-Joseph, qui est responsable, et qui sait qu'il a les deux créatures les plus nobles de l'histoire de l'humanité. La reine de l'univers et Dieu en personne.
Et qu'est-ce qu'il peut lui proposer? Une étable, une habitation de bêtes, d'animaux, en mauvais état. Heureusement qu'il avait un esprit surnaturel, il a compris que Dieu le voulait ainsi. C'est la seule chose qui peut le consoler. Vous voyez, Saint Joseph, c'est aussi un personnage admirable. Hein? Alors, la troisième prélude est entièrement le même que dans la contemplation précédente. Donc, les actions. C'est pas ça. Donc, c'est la connaissance intime, de demander la grâce particulière, pardon, la connaissance intime du Seigneur, afin de l'aimer avec plus d'ardeur et de le suivre avec plus de fidélité. Connaissance, amour et suivre, fidélité. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Le plus concrètement possible. On va appliquer tous les sens possibles. La vue, l'ouïe, le nez, enfin l'odorat, on va sentir, il y a certainement des odeurs là, en chemin et partout, dans les tables. Voilà. Le goût, le toucher, un voyage, ça se sent dans le corps. Hein. Donc le plus concrètement possible. Je verrai Notre-Dame, Joseph, la servante, l'enfant Jésus, lorsqu'il sera né. À peu près à minuit, il naît. Ça convient. Parce que, en plein hiver, où les ténèbres sont plus longues, les nuits sont les plus longues, en 25 décembre. Eh bien, à minuit, les ténèbres sont les plus épaisses. C'est dans les ténèbres les plus épaisses que naît la lumière. Voilà. Jésus écrase la tête du serpent. C'est là où il y a le plus grand besoin de lumière que la lumière se fait. Donc probablement, il est né à minuit. Hein. Donc c'est la tradition qui le dit, mais ce n'est pas pour rien. Il est la lumière du monde. Quel contraste. Donc il naît. Je me tiendrai en leur présence comme un petit mendiant, donc disons la servante qui est là. Pour vous, c'est facile, pour nous, c'est plus difficile, pour les hommes. Pour les femmes, vous êtes la servante qui accompagne. Et on a par exemple un petit esclave indigne de paraître devant eux. Donc je suis là. Je les considérerai, je les contemplerai, je les suivrai dans leurs besoins avec tout l'empressement et tout le respect que je suis capable, comme si je me trouvais présent, vraiment. Ensuite, je réfléchirai en moi-même pour tirer de là quelques profits pour mon âme. Je suis présent à cet événement. Et ça me touche au plus profond, comme les bergers étaient touchés, comme Saint-Joseph était touché, comme la Sainte Vierge était touchée par l'incarnation et la naissance, comme les rois mages étaient touchés. Nous sommes touchés par cela, profondément. Profondément. Laissez-vous toucher. C'est un attouchement amoureux. Hein. Les paroles. Dans le second point, j'observerai, remarquerai, je comprendrai ce qu'ils disent et ensuite ce qu'ils font. Le voyage, comment ils souffrent, afin que les nations de toutes sources naissent dans une extrême pauvreté. Et qu'après d'entendre à vous, après avoir enduré la faim, la soif, la chaleur, le froid, les injures, les affronts, il meurt sur la croix. C'est pour mourir sur la croix qu'il est là. Et tout cela pour moi. Voilà. Je termine par un colloque, comme dans la contemplation précédente. Voilà, c'est la préparation de la contemplation qu'on pouvait faire déjà ce soir et demain matin. Voilà. Bonne nuit.